une occasion de faire connaître nos travaux et de créer du lien entre les recherches académiques et le monde opérationnel, à la fois au niveau entrepreneuriat et aussi entreprises et collectivités de façon plus large. Avec les lauréats YouMoon, nous avons déjà réalisé une première réunion de travail pour alimenter en fait le questionnaire qu'ils ont prévu d'ajouter à leur prestation avec des données scientifiques qui éclairent notamment les questions de sens au travail et de motivation. Et puis avec plusieurs des membres du jury management et d'autres personnes rencontrées lors du hackathon, je vais pouvoir aller présenter les résultats concernant le télétravail et la résilience managériale et alimenter leurs réflexions par rapport à leurs expériences de terrain et moi nourrir la validation de mes résultats par rapport à leurs expériences et leurs retours pour nourrir la recherche depuis les pratiques opérationnelles et inversement. Aujourd'hui, le tournant qu'on est en train de donner à l'aventure YouMoon, c'est qu'en fait, on va voir les entreprises et on les aide à détecter les personnes qui ont besoin d'accompagnement et on leur fournit évidemment des solutions pour accompagner ces personnes-là. Et notamment, nous, on s'appuie sur du coaching. Donc, on a une communauté de coachs et on a des accompagnements qui mixent digital et coaching. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on vient délivrer de l'accompagnement dont les personnes ont besoin. Il y a deux modules. Donc, il y a vraiment un module où on vient détecter et un module où on vient accompagner. Et en fait, nous, on est arrivé au hackathon seulement avec le module 2. Avec le module d'accompagnement, on a une plateforme de coach, on a des expériences digitales de coaching. Mais par contre, il nous manquait cette partie détection. Et en fait, en discutant avec les chercheurs et notamment avec Anne-Claire qui a fait pas mal de recherches sur le sujet, elle nous a poussé un peu sur cet exercice de détection qui est au final indispensable parce que je ne vais pas aller accompagner tout le monde, j'ai besoin de savoir qui a besoin d'accompagnement. Et donc nous, c'est vraiment une brique qu'on a ajoutée et que j'ai pitchée du coup sur le projet final et en fait qui est hyper pertinente, que ça soit d'un point de vue je veux dire pour le salarié, mais même d'un point de vue commercial, le fait d'associer le diagnostic avec l'accompagnement, c'est hyper smart, en plus c'est scalable.